Oui, je tiens d'abord à saluer l'initiative qui a été menée par la maire de Paris. Cette cérémonie est extrêmement forte. Pouvoir voir et lire les noms de toutes les femmes assassinées, et c'est important de dire, hein, toutes les femmes assassinées, et on n'ose plus donner le chiffre parce que chaque jour, une de plus peut arriver. On devrait d'ailleurs se dire que si nous en sommes à 113 assassinats de femmes, 113 féminicides, ça veut bien dire qu'il y a aussi 113 assassins et que la caractérisation justement d'assassins sur les responsables était également fait partie de la bataille des consciences. De la même manière qu'il est important que notre Assemblée, conformément à des vœux qui à ce sujet sont présentés par d'autres groupes, salue les militantes qui ont collé et qui continuent à coller sur les murs de notre ville, ces alertes pour que cesse cette banalisation comme s'il s'agissait de faits divers. Cette bataille contre la domination patriarcale qui fait qu'une femme, eh bien, un homme peut décider de décider de sa vie ou de sa mort est une bataille essentielle pour nos émancipations, à nous les femmes, mais essentielle à nos émancipations, à l'ensemble de notre humanité. Alors maintenant, oui, pour pouvoir agir, les permanences téléphoniques, les actions les plus concrètes, immédiates, sont essentielles pour savoir qui contacter, comment être écouté, entendu, quelle première démarche faire. On ne cesse de le dire, il manque aussi des places d'hébergement, car bien sûr, on doit poursuivre cette bataille menée par les associations féministes, qui est de dire c'est à l'homme d'être écarté du foyer conjugal quand il est responsable de violence. Néanmoins, dans la réalité intermédiaire actuelle, il faut absolument permettre aux femmes de pouvoir s'échapper. Et quelle tragédie quand on entend tous ces témoignages de ces femmes qui étaient allées alerter au commissariat, qui avaient été jusqu'à déposer plainte, alors que c'est déjà, hélas, proportionnellement si faible le nombre de femmes qui assument d'aller jusqu'au dépôt de plainte. Et finalement, rien n'avait été fait. Donc tout doit changer. Le Grenelle sur la question des violences faites aux femmes est une insulte à l'enjeu de la bataille. Parce que accorder un million quand un milliard serait nécessaire, avoir mis autant de temps pour cette cérémonie de communication et ces réunions, alors que toutes les propositions sont là sur la table depuis si longtemps. Alors, s'il y a une responsabilité extrêmement importante de la part de la politique du gouvernement, de l'État dans cette lutte-là, la collectivité néanmoins a aussi toute sa part à prendre, mais je défendrai dans un vœu, le vœu 89 ultérieurement, les mesures aussi que la ville se doit de prendre. Mais bien évidemment, je voterai pour cette délibération. Mais je reviendrai dans la présentation du vœu sur l'enjeu. Il y a un an, on a voté un vœu sur la proposition que j'avais pu faire d'un lieu complet de prise en charge globale des femmes victimes de violences, avec tous les aspects prévus. C'est voté, mais quand est-ce que donc la ville va se donner les moyens de le faire? Parce que s'il y a une responsabilité de l'État, la ville et le département doivent être modèles. Vous avez d'autres villes en France qui le font. La ville de Nantes a montré l'exemple. Donc nous devons aussi assumer de pouvoir le faire. Si d'autres villes sont capables, pourquoi une capitale comme Paris, avec un budget de 8 milliards d'euros, ne serait pas capable de le faire? Et j'attire aussi votre attention sur des lieux historiques que nous avons, comme le Palais de la Femme. Le Palais de la Femme accueille des femmes victimes de violences, accueille des femmes en grande précarité. Sauf que le Palais de la Femme est un lieu où on est censé simplement passer de manière transitoire, voilà, pas plus de 2 ans, pour être accompagné vers le logement social d'abord. Le Palais de la Femme, historiquement, était un lieu qui devait être non mixte, parce qu'on est bien consciente ici que quand on est victime de violences, on se doit de se retrouver dans un lieu de non-mixité entre femmes. Alors je réitère, mes chers collègues, la nécessité qu'on écoute les femmes du Palais de la Femme, qu'on les écoute et qu'on fasse revenir ce lieu-là en lieu de non-mixité. Aujourd'hui, une des femmes du Palais de la Femme va sans doute être écartée du Palais de la Femme parce qu'elle l'ouvre. Et parce que quand vous l'ouvrez et que vous subissez cela, eh bien oui, parfois vous l'ouvrez avec les mots qu'il ne faut pas. J'aimerais que toute l'attention soit apportée au Palais de la Femme et à celles qui luttent depuis 3 ans pour qu'aucune soit plus brisée qu'elle ne l'a été par la vie jusqu'à présent, alors qu'elles sont de magnifiques combattantes. Je vous remercie.